C'est un bordel, man. Gros, j'ai une maladie, man. Check ça. Yeah, tu vois. Le monde vient de moi avec mes doigts, hein, quand que je rappe. Là, je suis sur Internet. Tantôt, je disais ça. C'est moi, ça. Là, check ça. Puis c'est scientifique, là. Des chercheurs roumains de l'Europe de l'Est, ainsi qu'un groupe de scientifiques de Budapest, après 12 ans de recherche, ont découvert qu'au premier stade de la maladie, tous les écrivains ne se doutent toujours de rien ou presque. Car les seuls doigts qui bougent anormalement sont le pouce et l'index. À ce stade-ci, tout va bien, mais tout se complique aussitôt que le pouce touche l'index. Que l'index touche le pouce, on s'en fout, ça fout rien ou presque. Mais un coup que c'est l'inverse, et que c'est le pouce qui touche l'index, c'est là que tout s'inverse, et que la main commence à faire tout plein de gestes. Et que les cinq sortes de doigts se mettent à faire n'importe quoi. C'est ça qui m'arrive, si! Quand que je rappe, y'a du bon qui écoute même pas ce que je dis. La seule chose qu'ils font, ben c'est qu'ils regardent ma petite main. Ils regardent ma petite main. Ils se disent pourquoi est-ce qu'il bouge de main avec ses doigts. Est-ce que c'est prudent? Et tu fous lui, y a-tu un problème? C'est quoi? C'est sûr que le gars a un problème avec quelque chose. Je sais pas si moi bouger de même avec mon index gauche. Coudon, le gars, il fouille de mon plein névrose. Mais donc, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Si jamais quand je rappe, je fais des mouvements bizarres. C'est parce que j'ai attrapé quand j'avais 12 ans une maladie rare de la main. Très très rare. Et ce n'est pas tout bon qui peut en être atteint. C'est une maladie très très rare de la main qui peut être contractée qu'à condition d'écrire bien. Et d'être un bon écrivain, c'est une vieille maladie. C'est pas nouveau. Plusieurs autres célébrités ont contracté cette maladie rare plutôt. Je repense notamment à Victor Hugo et un autre écrivain de science-fiction qui est mort. Plutôt. Si je pense des poudres comme il faut, ça coûte de ma crise de main. Ça coûte ma crise de main, j'ai pas de micro. Pis j'ai pas de studio. Est-ce que je t'ai, est-ce que je l'ai, ma crise de main. Ma crise de main. Ma crise de main. Ma crise de main. Mais c'est vrai, c'est difficile, ça me met demain. Qu'est-ce que ça fait plein de gestes grotesques? Puis là, je checkais justement sur Internet, là. Mais j'ai découvert que j'ai quand même une maladie rare de la main, là. OK? Les premières personnes qui avaient cette maladie-là, là, c'est eux autres qui ont été les premiers chefs d'orchestre, man. Dans le fond, mes ancêtres étaient des chefs d'orchestre, gros. Puis ça, j'ai même une main, gros, gars. J'écoute bien trop de